Salut Citizen Kane TV, vous êtes là, c'est ça? Vous êtes viré! J'imagine que ça ne vous dérange pas d'occuper un poste avec plus de responsabilités que ce que vous aviez avant. Non. Vous êtes sûr? Café, s'il vous plaît. J'arrive. Il y a 83 à faire. Vous êtes allé chercher le courrier? Pas encore, j'y vais. Si la comptabilité vous demande. Moi aussi j'avais un boulot, moi aussi je l'ai perdu, et moi aussi j'en ai bavé derrière. Je vais toucher 500 euros par mois. Je fais comment pour payer toutes mes factures, tout ce que je dois? C'est dans 9 mois, c'est là. Est-ce que vous pensez que vous seriez d'accord pour accepter une fonction en dessous de celle que vous avez occupée dans votre ancienne entreprise? Ah oui, je pense, oui. C'est très émouvant. Et la façon de le filmer de très près, ça donne une intensité. Je trouve ça très intéressant, mais je ne vois pas ce que ça fait en sélection. Très beau film, très beau film, très bien interprété, mais on se dit quand on sort qu'on est drôlement heureux. Une jolie histoire, mais voilà, la technique n'y est pas totalement. Très bonne réaction, un film social, dur, où on parle des petites gens. Donc au niveau des hôtesses, tu zoomes bien pour voir si elles scannent tous les articles, vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de départs en pré-retraite, donc il essaye de virer du personnel. Chacun choisit ce qu'il veut faire. Moi, je pense que pour ma santé mentale, je préfère tirer un trait, passer à autre chose. Est-ce que ça fait de moi un lâche? Aujourd'hui, on est parti visiter le marché du film et rencontrer ses autres artisans du cinéma. Nous sommes sur 37 pays, presque 2000 membres, et nous représentons l'exploitation en salle d'ARES. Nous sommes ici au marché parce que nous avons l'opportunité de rencontrer toutes les personnes qui nous ont intéressées à notre formation. Le marché de Cannes, c'est le plus grand marché en Europe. Donc évidemment, ça nous sert beaucoup pour promouvoir en général toutes les activités de l'association. Le marché, c'est vraiment l'opportunité de rencontrer les personnes et de développer des partenariats, des activités, de monter des projets. Et donc, c'est l'endroit idéal pour nous. C'est très important. Je m'appelle Claire Chauva, je travaille à l'agence du court-métrage au service des ventes internationales. On est au marché du film à Cannes pour distribuer les courts-métrages que l'on représente auprès des acheteurs. On a créé un programme coup de cœur, donc après avoir visionné les films au Short Film Corner, voilà, pour faire ressortir ceux qui nous plaisaient le plus. Jaloux avec quelqu'un, je sais pas lui dire par exemple qu'un des mecs au boulot de drague. Qui? Non, merci. Alors, je suis Elisabeth Honora et je représente la ville de Cannes qui a un stand donc sur le marché du film pour faire la promotion à la fois de sa politique de tournage nous présentons toutes les activités de la commune et qui ont un lien de près ou de loin avec le cinéma. Venez murmurer, telle une caresse sauvage à l'oreille des chevaux qui... Oh mais vous faites chier! Ah putain, pourquoi tu m'as pincé le genou toi? Pour que tu balances ta réplique? Bon, vous faites chier. On réalise et produise ou coproduise des courts-métrages, des longs-métrages, et donc évidemment c'est un lieu essentiel pour ces industries qui souhaitent distribuer et promouvoir leur production. Et évidemment c'est l'endroit où il faut être. C'est de la merde. Et toi, tu dis jamais rien? Vas-y, go ahead. Genre, on est deux connasses et Monsieur Je sais tout va nous faire la morale? Comme tout le monde, c'est ça? You little shit, imbibé de sa propre solitude. Qui se compait dans son fucking silence pour faire croire qu'il est bon acteur?